coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut and twist it all up. Lime in the coconut. Lime in the coconut. On est ici avec Mike Alvarez et avec Laure. Ils ont fait un show exceptionnel à l'ancienne. Alors juste Mike, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que ça t'a fait de danser avec la jeune génération comme ça? Ben moi, comme je dis, ça fait toujours plaisir de danser avec la jeune génération. Nous, on a commencé, eux sont là pour continuer. Et moi, ça me fait plaisir d'office. Ja, dat ik blij ben en dat ik me gewoon helemaal laat gaan en dat ik gewoon gelukkig ben als ik dans. Vous avez dansé quoi exactement sur scène? C'était quand même un mélange en fait old school. On a fait un peu de popping, locking et jazz rock. En tout cas les gars, c'était juste exceptionnel. On souhaite longue vie au duo et que ça se passe bien. Alors j'ai eu la chance de danser aussi avec Cody, qui est la nouvelle génération de B-Boys. Et lui vient de Toumad, il vient de Charleroi. Alors toi, tu t'es senti comment quand t'as dansé sur la scène là-bas devant tout le monde? Avant j'avais un petit peu peur, mais quand j'ai mis mes pieds sur scène, j'ai tout de suite dit que je dois faire à fond. Les heures d'entraînement, ça s'est passé comment? T'as eu difficile? Non, c'était facile, à part pour le truc où on saute et on doit revenir en remontée média. En tout cas, Cody, moi j'étais sur scène avec toi, on s'est éclaté. Ça fait plaisir de voir les nouvelles générations comme ça, avec qui envoie du lourd. Mec, fais-moi un check, merci pour le bon moment. On est encore ici posé avec un autre duo et ils viennent de Bayonne, des Français cette fois-ci. Les gars, votre show, il était doux, il était magnifique, funambule de grands corps malades, franchement, plein de poésie. Comment vous avez construit ce show et pourquoi ce show finalement? Je viens de pas mal de danses différentes, dont la danse contemporaine. Ma base, c'est quand même le b-boying, mais et voilà, en fait, je travaille beaucoup en création avec les jeunes. J'aime bien les amener dans un univers un peu différent que le show hip-hop pur ou le show bochi ou comme ça. Donc voilà, ça les fait partir dans un imaginaire et pour travailler un peu, voilà, le côté un peu création et tout ça, pour eux, je pense que c'est génial, quoi. Et ça a fait quoi au niveau émotion de préparer un show avec ta fille comme ça? C'est du pur plaisir, ça s'explique pas en fait, il faut le vivre pour le comprendre. Et voilà, c'est que du plaisir, de l'émotion et de la fierté et voilà, de l'amour, c'est que ça. Et toi Chiara, tu as ressenti quoi en dansant avec ton papa comme ça? J'ai senti que je l'aimais et j'ai bien dansé avec lui et je voulais bien le faire. Donc, On vous fait un big up, les gens ils ont pleuré. Dancing is what you really love to do. Socialize with dancing, with other people. Like work together and make shows and stuff like that. Alors Karim, pourquoi tu as créé ce concept? C'est quoi qui est derrière tout ça? Déjà l'année passée c'était en un jour, cette année je le fais en deux jours. J'ai voulu mettre en avant en fait le travail des coachs et des mentors. Un petit peu parce que le travail qu'on fait il est souvent invisible. On se demande toujours comment ils font ces jeunes pour arriver à leur progrès et leur objectif. C'est parce qu'il y a des gens derrière qui taffent et c'est comme je dis, c'est invisible. Et donc j'essaie de le mettre en avant, montrer un peu la transmission, l'énergie et un peu la passion qu'on a à travers nos jeunes et la confiance qu'on a à travers nos parents. Pourquoi je le fais? Bah, c'est aussi par rapport à avoir aussi le travail de chaque coach, quoi. Voir un peu le boulot des autres coachs, des autres petits, des autres élèves, et voir leur progression. Et surtout, ne pas les dénaturer, les laisser comme ils sont avec leur énergie et juste les accompagner dans leur chemin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une réussite. Ce que je veux faire, ce message que j'ai, c'est vraiment ça, c'est la simplicité et garder l'amour de la danse sans vouloir vraiment avoir une compétition ou une rivalité. J'ai intercepté Zach Swaga qui organise la session Sa Danse. Donc c'est quoi exactement cette session-là? Les gens ne dansaient plus vraiment ensemble. C'est-à-dire que les disciplines sont beaucoup séparées, que ce soit la house, le hip-hop, la dancehall, le crump. Je me suis dit que ce serait cool de vraiment rassembler les anciennes générations avec la middle et les nouvelles générations. Parce que comme ça, les gens arrivent quand même à se comprendre. Pas de battle,
pas de money prize, pas de winner, pas de gagnant, pas de professionnel, ou c'est vraiment pour tout le monde. Vraiment comme dans un club, sauf qu'il n'y a pas d'alcool et on est là vraiment pour vraiment danser et vraiment s'amuser, parce que moi j'ai appris ça comme ça. Vraiment voilà un échange entre la nouvelle, la middle et l'ancienne génération. Put the lime in the coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut and twist it all up. Put the lime in the coconut.